Bonjour à tous, je suis le président fondateur de l'ONG Espoir de vie. Voilà. Je vous dis que l'ONG existe déjà en 2006. L'ONG est basée, voilà, base même en Côte d'Ivoire, précisément à Dibo. Voilà, nous sommes aujourd'hui à cette date, ça veut dire 12 août 2023. Nous sommes là juste pour apporter un soutien à Indara. C'est un endroit où on éduque les enfants de la rue. Vous savez que les gens sont dans la mendicité et tout ça. Il faut les recueillir quelque part. Donc, les gens ont trouvé bon de les mettre quelque part. Et puis, notre combat que nous menons, parce que pour nous, le problème africain, c'est un problème éducationnel. Et nous misons beaucoup sur l'éducation. Nous apportons, et moi je demande aussi aux États, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, ce n'est pas une question de pauvreté, c'est un problème éducationnel. Donc, ça va dans notre vision d'aider les gens. Et ça n'a rien à voir une question de religion, ni ethnique, ni nationalité. Alors, apporter un don n'a rien à voir. Ça fait partie, n'est-ce pas, de bien-être, voilà, de l'humanisme. Il faut aider les gens, qu'on a des moyens, il faut le faire, il faut soutenir les gens. Il faut se contribuer au développement des États. Parce que l'État ne peut pas tout faire. Nos États ne peuvent pas tout faire. Voilà, nous, l'État ne peut pas tout faire. Aidons l'État, aidons nos États, n'est-ce pas? Si on peut scolariser les gens, il faudra le faire. Si on doit soutenir les gens, il faudra le faire. Partout, nous devons contribuer. Et c'est l'Afrique qui gagne. Parce que ces enfants, demain, quand ils seront grands, ils vont contribuer à l'avancement de l'Afrique. Ça n'a rien à voir avec certaines choses. Mais nous sommes là, n'est-ce pas, pour apporter des dons. Voilà. Donc, que Dieu protège le Sénégal, la Côte d'Ivoire qui est mon pays, natal, et l'Afrique. Voilà. Et si nous voulons sortir de la précarité, c'est un peu ça. C'est une question d'éducation. Salam alaikum. Alaikum salam. Je suis M. Doron, je suis mon nom à l'État civil. Je suis PDG d'une société qu'on appelle Baron. Baron. Baron, c'est un Sénégal du Sud. En même temps, je suis président pour la tête de l'ONG qui existe depuis 2006. Ce n'est pas maintenant depuis 2006 que ça existe. Vous êtes mes amis, hein? On est devenus camarades, tout ça. Lui, c'est un bon monsieur, le maître. Pourquoi? Parce qu'il s'occupe de vous. C'est pas tout le monde qui a le temps de venir vous éduquer. Ce qu'il est en train de faire, c'est pour vous-même. C'est pas pour lui. Et je pense que vous êtes très bien éduqué. Parce que je vous ai vu tout à l'heure, tout est ordonné ici. Moins personne ne criait pour ça. Et pour que demain,